Dimanche 7 février, le tournage des Vacances des Anges a repris à Saint-Domingue, près coup de mois après son interruption à la suite d'une bagarre à La Réunion. Sauf que les candidats et les équipes de production auraient pu être bloqués en France. Le calme après la tempête. Le 10 janvier dernier, il était révélé qu'une bagarre avait éclaté en marge du tournage de la prochaine saison des Vacances des Anges. Une rixe qui a mêlé Ricardo Pinto, Neuda, deux candidats du programme, et l'entourage du maire de la ville de Saint-André, à La Réunion, où avait lieu le tournage. Si, pour calmer le jeu, la production avait décidé d'exclure les deux candidats, la population et les élus ont fait pression pour que le tournage ne reprenne pas chez eux. En urgence, les membres de la grosse équipe, la société qui produit l'émission, ont dû trouver un nouveau point de chute. Le 20 janvier, soit 10 jours après l'incident, le lieu est finalement trouvé, il s'agira de Saint-Domingue, en République dominicaine. Le tournage vient de débuter, dimanche 7 février, selon les informations du Parisien. Le lieu a été choisi parce que déjà connu des boîtes de production spécialisées dans la télé-réalité, c'est par exemple là-bas qu'a été mise en boîte la nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés. Pourtant, encore une fois, la nouvelle saison des Anges a failli être mise en péril. Panique à bord vendredi 29 janvier, alors que tout est calé, la boîte de production écoute les nouvelles mesures sanitaires, annoncées par Jean Castex. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, déclare alors le Premier ministre. Ce qui crée un problème, comment les candidats et les équipes de la boîte de production, résidents français pour la plupart, vont-ils pouvoir se rendre en République dominicaine? Le Parisien révèle que cette annonce a eu l'effet d'une panique à bord, avant de trouver la solution, un contrat de travail couplé à une attestation suffit pour passer les frontières. Dans le monde d'après, c'est ainsi, tourner dans les Anges est un motif impérieux.